Ceinture jaune. Mais non, c'est de la lutte bretonne. En plus, c'est marqué. Tu vois bien qu'ils n'ont pas de kimono. Et qu'est-ce qu'il fait, là, Napoléon? C'est pas Napoléon, c'est un gendarme. Ouais, mais il fait rien, ils se battent, ils devraient les arrêter. Y a pas que lui qui fait rien, les gens derrière, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils ne s'ennuient pas, ils respectent. Pour eux, en Bretagne, en 1890, la lutte bretonne, c'était important, c'était une grande fête. Moi, je dis que c'est celui de droite qui va gagner. Ouais, vas-y, plaque-le. Ils ont des super gros pieds. Oh, ils vont écraser le nom du peintre. Paul Sérusier. C'était un nabi. Waouh, il s'appelle comme moi, copieur. Les nabis étaient un groupe d'artistes qui aimaient montrer la vie de tous les jours avec un dessin simple et des couleurs profondes. C'est vrai que l'herbe, elle est jaune de chez jaune. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, tu m'as filé un cours sur les nabis, alors je te donne ton premier cours de lutte bretonne. Lutte bretonne, musée d'Orsay. Au secours! Il y a un marin qui s'est noyé! Où tu vois ça? Ben là, t'es bigleux! Regarde, y a plus que son chapeau! Faut appeler le SAMU! Nastico, y avait pas le SAMU en 1895! Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée! N'importe quoi! Une bouée, c'est pas comme ça! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard! T'es lourd! On est dans un port à Saint-Tropez! C'est une bouée pour amarrer les bateaux! T'es sûr que c'est un port? Y a pas beaucoup de détails! Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal. C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça. Normal, Signac. Il y en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts. Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ah bah, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La Bouée Rouge, musée d'Orsay. Oh, venez voir la position des jambes. Jeanne Avril Dansant. C'est joli comme nom, qui c'était? Attends, c'était une des plus connues des danseuses de French Cancan. Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse-Lautrec. C'est ça le French Cancan? Non, tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite. Comme ça? Ah, ah. En plus, ça raye le parquet. Regarde celui du tableau. Mais non, c'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement. Toulouse-Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient. C'était pris sur le vif, comme on dit. Je croyais que les boîtes de nuit, c'était plein de couleurs. Là, c'est pas très gay, y a plein de marron. C'est pas du marron, c'est du carton. C'est même pas peint partout. C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Il adorait peindre les French Cancan et comme il était noctambule... Il ne fallait pas le réveiller. Mais il faut pas réveiller un noctambule, c'est connu. Somnambule, pas noctambule. Il passait ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses. Jeanne Avril Dansant, musée d'Orsay. Le pur cheval blanc. Quel observateur. Ça tombe bien, le tableau s'appelle comme ça. Au lieu de faire le malin avec ton guide, tu ferais mieux de regarder. T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière. Ah ouais? Eh mais ils sont tous nus sur leurs chevaux. C'est des Indiens? Non, des Polynésiens, à Tahiti. Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner que les Polynésiens ils soient tout nus. Polynésiens, les habitants de la Polynésie. C'est là que Gauguin a peint ce tableau. Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille. Et eux, ils ont l'air vachement calmes. Les chevaux ou les Polynésiens?
Les deux. C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux. Là-bas, en Polynésie, les gens vivent avec la nature. Mais la Polynésie, c'est drôlement loin. C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ces couleurs super bizarres. C'est pas bizarre. Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité. C'est tout. Ouais, ben désolé. Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça n'existe pas. Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas? Le cheval blanc, musée d'Orsay. Waouh, super la statue! Une vieille sorcière emporte un chevalier vaincu, tandis que sa malheureuse princesse essaye de le retenir. Mais il est pas jeune, le chevalier. Normal, ça s'appelle l'âge mûr. J'ai compris, c'est un homme emporté par la vieillesse qui dit adieu à la jeunesse. Pas seulement, écoutez. Camille Claudel a représenté sa propre histoire. Elle s'est fait kidnapper par la vieillesse? Non, elle était jeune et amoureuse du sculpteur Rodin, qui avait 24 ans de plus qu'elle. Alors elle, c'est Camille Claudel. Lui, c'est Rodin. Et c'est qui la vieille bique? La compagne de Rodin, qu'il n'a pas voulu quitter pour Camille. Ben dis donc, il avait besoin de lunettes. Elle allait pas sculpter un canon, elle était jalouse. Et très malheureuse. Regardez comme elle le supplie de rester. Ça a pas l'air drôle, l'âge mûr. T'inquiète, t'y es pas encore. Commence déjà par l'âge de raison. L'âge mûr, musée d'Orsay. C'est pas un zombie, c'est l'homme qui marche de Rodin. Bah il a ni bras ni tête. Rodin il a pas eu le temps de le finir. En fait c'est une ébauche pour la statue d'un saint. Une ébauche? Un brouillon si tu préfères. De toute façon on n'a pas besoin de sa tête pour marcher. C'est fastoche. D'abord on pose le talon par terre, puis le reste du pied et... Hop, regarde ton pied gauche. T'as relevé le talon alors que la statue, elle, elle a les deux pieds bien à plat sur le sol. C'est parce qu'en fait, Rodin a triché. Il a pris deux mouvements pour n'en faire qu'un, regarde. Quand tu commences ton pas, c'est le pied gauche qui est à plat. Et quand tu avances, c'est le pied droit. Alors c'est comme si son homme qui marche était entre deux pas. Oui, et ça donne une plus forte impression de mouvement. Trop fort! C'est vrai que vu d'ici, on dirait que l'homme va nous marcher dessus. Oh là là là! Et moi, il me donne le vertige. Après l'homme qui marche, le petit qui tombe. L'homme qui marche, musée d'Orsay. Hé, y a Batman à table, avec sa famille, là. Patate. C'est la silhouette du peintre, Félix Vallotton. Eh ben, on risque pas de le reconnaître. Ouais, c'est rien qu'une ombre, ça fait peur. Il fait comme le tableau, il observe sa famille un peu comme un étranger. Quand il l'a peint, il venait de se marier. Alors ça lui paraît encore un peu bizarre. Elles ont de drôles de vêtements. Jamais je m'habillerais comme ça. En 1899, c'était la mode, t'aurais bien été obligé. Elle est jolie, la petite indienne. C'est pas une indienne, c'est sûrement sa fille. Exact, avec sa femme et un ami poète qui rêvasse. Il se tient mal, super mal, le poète. Moi, à la maison, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table. Heureusement que c'est pas éclairé comme ça, à la cantoche, on n'y verrait rien. Pourquoi c'est tout noir autour? C'est un dîner, c'est le soir, quoi. Il a peint ce qui l'intéressait, seulement ce que la lampe éclairait. C'est bizarre, c'est pas gay, mais c'est beau. L'inverse de toi, quoi. Très drôle. Le dîner, effet de lampe, musée d'Orsay.